Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je crois que c'est la première fois depuis que je fais des vidéos. Je vous retrouve dans mon garage. Voilà. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous pouvez peut-être deviner pourquoi. C'est parce que j'entreprends la construction de l'épée de Cloud dans Final Fantasy VII. Voilà, donc son épée, hein, grandeur nature, en bois, après peinte, hein. Voilà, donc je vais vous montrer, je n'ai pas du tout fini, hein. C'est, donc, je vous montre le début, voilà, je vous montrerai aussi à la fin comment ça sera. Donc je vais vous montrer le début, donc c'est sur des planches de quelques millimètres d'épaisseur, voilà. Pour le matériel dont j'ai besoin d'un marqueur, de planches de bois, d'une scie sauteuse, de la bombe de peinture, de la mousse, comment ça s'appelle, de la mousse expansive, une règle, voilà. Voilà, en gros, ah oui, aussi des équerres, des vis et des boulons et de la colle aussi. J'aurais besoin sûrement d'un peu de colle, voilà, et du scotch de plusieurs couleurs. Voilà, donc je vais vous montrer le début. Donc, vous voyez une des planches où c'est que vous voyez l'acier qui aura quand l'épée ne sera pas montée. Voilà, vous voyez comment que c'est fait. Je trouve que c'est assez bien fait. Donc, ensuite, faudra qu'on perde des coupes. Là, je vais vous la mettre au sol. Attention à ne pas abîmer trop le bois. Voilà. Donc là, au sol, ça donne ça. Regardez, vous comparez à mon pied. C'est très très grand, hein. Quand ça sera fini, je poserai la caméra. Puis je me mettrai à côté de l'épée pour vous montrer vraiment. Voilà. Donc ça, c'est la base. Donc vous voyez, c'est plus petit après, voilà. Donc je vous explique pas les traits que j'ai fait au milieu, des trucs comme ça, je vous explique pas, hein. C'est des trucs pour que mon père s'y repère. Voilà. Ensuite vous voyez les autres planches, donc comme ça on dirait qu'il n'y a rien dessus, mais c'est au dos. Donc attendez, voilà. Alors celle-là, c'est laquelle? C'est celle-là, ok. Donc là maintenant, regardez, je suis assez content de moi pour l'instant. J'espère que rien va merder dans ma création. J'espère que tout va aller bien. Voilà. Et regardez ici comment que ça fait. Je trouve que ça fait bien. Voilà. Regardez. Là, j'ai posé une planche en plus. Elle va être découpée aussi. Et ça a la forme d'une deuxième épée. Ici, donc l'épée qui se à la droite, et regardez les pointillés, ils se suivent. En fait, ça fait l'épée. Mais bon, c'est pas fini, hein. Bien sûr. Je vais mettre une autre planche ici pour vous montrer la suite de l'épée. Donc ici, il y aura un manche à cette épée-là. Ici, il y aura le rectangle. Ici, il y aura un autre manche. Voilà, je vais rajouter ça ici. Ouais, c'est dans ce sens là. Et je rajoute ça.
maintenant regardez. Heureusement que c'est au marqueur, sinon vous verrez pas grand chose. Voilà, regardez comment que ça fait. Voilà, ça fait la grosse épée de Cloud. Ici, il y aura la poignée, ici, que je ferai et que je visserai. Voilà. Donc là, vous voyez tout le long. Mais vraiment, c'est large. Hein. Regardez ma main comparée. Voilà. C'est très large. Ensuite, cette planche-là servira à faire le dos de la première que je vous ai montrée. Celle-là servira à faire le rectangle. Regardez, j'ai fait des traces. Hop. Hop, hop. À peu de choses près, ce sera comme ça. Hop là, voilà. Voilà, du bout là au premier trait, ça croit comme ça. Voilà, donc bien sûr, les planches là ne dépasseront pas. Voilà, ça va être tout du montage. Non, ça va être plus comme ça. Ça va me coller. Non, ça peut coller. Voilà. Comme ça, à peu près. Donc ici vous avez un tuyau. Ah oui, je vous ai pas dit, il faut un tuyau de PVC. Enfin, c'est. Je trouve que le tuyau de PVC c'est bien. Plus petite taille. À peu près ben, d'un mètre de 1 mètre environ. Voilà. Qui va servir pour le grand manche. Voilà, la grande garde. Regardez. Ça va faire ça. Sauf qu'ici on ne la verra pas. Hein. Ce sera dedans. Et voilà, ça va faire environ ça. Donc je suis assez content de moi. Hein. J'espère que je ne serai pas déçu du résultat final. Voilà. Donc c'est du bois fin, hein, je vous dis. Hein. Ça fait quelques millimètres, regardez. Voilà. Regardez, hein, c'est pas très. C'est quoi, 3 mm à peu près. Voilà. Donc, tous les trucs que vous voyez, ce sera des découpes. Donc, des découpes qui seront reportées en double. Là, vous voyez pas encore les épées qui vont devant et qui se plient parce que il faut au moins que mon père ait fini toutes les découpes là pour que je puisse voir s'il me reste assez de bois pour les faire, sinon je les ferai en carton. Ce serait un peu dommage, mais bon, je serai obligée. Voilà. Et je reprendrai la vidéo au moment où ça sera coupé. Voilà. Donc ça c'est la première partie pour vous montrer. Et voilà, la partie où c'est que je reprendrai, je vous montrerai normalement. Je pense que à ce moment-là, je peindrai. Voilà. Et dernière partie, ce sera quand elle sera finie, je pense. Je vous montrerai le résultat final avec les vis et tout. Et je la montrerai devant vous. Voilà. Donc ça sera en trois parties. Je vous dis salut. Et au prochain. Et bien à tout à l'heure en fait. Salut!